Franck Cheyer, vous allez présenter Romain Daumont dans le quintet de lundi à Cagnes-sur-Mer. Qu'avez-vous pensé de lui depuis son retour à la compétition? Bon, il a très bien couru en place, je trouve. Mon ami, la fibrée, c'est pas trop son truc, mais c'est plus un cheval d'obstacle, donc on le remet sur les obstacles. Et puis, il a bien fait Cannes l'année dernière, donc il n'y a pas de raison qu'il court mal. Donc là, vous m'aviez dit, vous attendiez un petit peu de le remettre sur les obstacles pour des problèmes d'ossature, et là, tout est rentré dans l'ordre. Alors, le cheval... Oui, tout est rentré, nickel. Mais bon, il y a des courses sur gazon, là, cet hiver, en plat, on le laisserait peut-être, mais comme là... la fibrée à Deauville, ça, c'est pas trop son truc, donc on le remet sur les obstacles. Et puis c'est un sauteur, c'est vraiment un sauteur. Bon, après, faut pas qu'il s'escape, mais je pense pas, non, il doit être assez calé. Là, on a fait des radios, donc tout va bien. D'accord. Donc, vu ce qu'il vous avait fait l'hiver dernier à Cagnes-sur-Mer, vous êtes confiant pour une bonne performance? Oui, je pense. Bon, c'est le premier quintet qu'il fait, il est en pleine forme, le matin il va vraiment bien, c'est un super sauteur, donc je pense qu'il a sa carte à jouer, oui. D'accord, et vous ne craignez pas le fait qu'il rencontre ses aînés, autrement? Bon, un petit peu, mais non, c'est un cheval qui est assez dur, qui est en pleine forme, donc à mon avis, 4 ou 5 ans, enfin c'est... Après, même les aînés vieillissent un peu quand même. Voilà, il y a ça aussi, ouais. Et au niveau de l'état du terrain, c'est important ou pas vraiment pour lui? Ouais, il préfère le lourd, je pense, mais ça le gêne pas de terrain léger. Puis là, c'est quand même encore un peu collant, donc ça va peut-être sécher, mais le terrain léger, je le gêne pas, non. D'accord, parfait.